Rosa, vous êtes à la traîne. Faut suivre un régime, sinon si vous avez un infarctus, je vous opère pas. Tu sais, Thomas, je repensais à tous les bons moments que nous avons passés ensemble ces 10 dernières années. Et alors? Il m'en est pas venu un seul. L'autre jour, j'ai vu un documentaire sur les amibes. Il y a certains exemplaires qui ont une vie bien plus active que la sienne. Je pars demain. T'avais pas des examens? Pour le moment, je préfère arrêter médecine. J'ai décidé d'entrer au séminaire et de devenir curé. Un fils prêtre, ce serait comme être rémouleur, joueur de cornemuse. Et moi, je ne veux pas d'un fils joueur de cornemuse. Dis-moi, papa, fais vite. Tu y comprends quelque chose, toi? Maintenant, papa? Non, parce que j'ai téléchargé Jésus de Nazareth et je suis à fond dedans, vraiment. Le film de Zeffirelli? Ah, tu l'as vu? Ne me raconte pas la fin. C'est donc Pietro qui a tout organisé. Et puis, une fois que Jésus a retrouvé les disciples et eux... Il est bon, ce prêtre. Il est plutôt mignon, non? Mais c'est lui. Le prêtre, c'est une couverture. Dès que je découvre, je balance tout à mon fils et le problème est résolu. Et comment tu vas faire? Vendredi, vous devrez interpréter le rôle de ma femme. Le professeur, mais qu'est-ce que vous dites? Je m'excuse, Don Pietro. Je suis désespéré. J'ai un frère retardé. Oui, c'est ma femme qui, des fois, elle me bat. Pietro, comment je suis dans mon rôle? Je pense aussi me supprimer. C'est le moins que tu puisses faire, il me semble. Et c'est comment d'être prêtre? Eh ben, je te dirais que c'est vraiment chiant de travailler le dimanche, moi, ça... Mais non, je rigole.